Le secret du potager. Texte, Luc Faucroule et Annick Masson. Illustration, Annick Masson. Maison d'édition, Mijade. Lily passe ses vacances chez son papy à la campagne. Et elle n'est pas vraiment ravie. Le trajet en voiture lui semble interminable. À peine arrivée, elle file dans la chambre que papy lui a préparée. Quelle poisse ! Y a rien à faire ici. Et dire que ma copine Louise se fait dorer les orteils sur une plage. Le paradis de papy, c'est son potager. Papy prend soin de ses légumes. Il pourrait passer sa vie à les regarder pousser. Lily, viens m'aider à arroser toutes ces belles choses. Et puis sors un peu, il fait si beau. Lily descend et saisit un arrosoir. Les oignons, ça pique. Et les navets, ça sent mauvais. Je ne trouve pas ça drôle de s'en occuper, dit-elle. Hop, hop, hop. Et voilà. Plus tard, papy emmène Lily dans la serre attenante au potager. Regarde! Sais-tu que dans sa petite graine, Monsieur Haricot a tout ce qu'il faut pour grandir? Il ne lui manque qu'un peu d'eau, de terre et de soleil. Que dirais-tu de le planter? Papy lui tend un pot et une pelle de terreau. Lily s'exécute distraitement, un peu dégoûtée par la terre qui se glisse sous ses ongles. Père, tu le verras grandir un peu plus chaque jour. Tu vas voir, c'est magique. Ce soir-là, Lily s'endort en bougonnant. Oh, j'ai pas de chance. Sa copine a décidément bien de la chance d'être à la plage. Le lendemain matin, le coq du voisin réveille les oreilles endormies. Qu'est-ce que c'est que ce tintamarre ? Se plaint Lily. En traînant les pieds, Lily descend dans la cuisine où papy l'attend. « Bonjour, Lily. Bien dormi ? » dit-il joyeusement. « Je t'ai préparé un chocolat chaud. Mais là, il est vraiment brûlant. Si tu en profitais pour aller arroser ta petite graine. » Pas contente, Lily sort de la maison. « Bon, puisque je suis là, autant l'arroser cette petite graine. » Elle prend l'arrosoir d'une main, le pot de l'autre. Mais le pot lui glisse entre les doigts et patatras tombe sur le sol où il se casse en mille morceaux. Zut, catastrophe! Que va dire papy? Pense Lily. Mais d'où viennent ces cris? Lily se penche et n'en croit pas ses yeux. C'est la petite graine. Elle crie et se tortille. C'est normal qu'elle pleure. Elle a froid, dit la carotte. Plante-la ici, au soleil. Vite! Étonnée, Lily obéit et plante la petite graine entre les carottes et les navets. Pourrais-tu te pousser un peu, s'il te plaît? Dit la tomate à Lily. « Tu me fais de l'ombre. Encore quelques rayons de soleil et je serai bien rouge. J'attends papy. Il va me cueillir aujourd'hui. » Brusquement, la tomate s'interrompt. Papy arrive, un grand panier à la main. « Oh, je vois que tu as fait connaissance avec mes légumes !» dit-il. « Tu m'aides à choisir les plus beaux ?» Ce soir, nous allons mitonner un délicieux repas. Mais papy, les légumes, ils sont vivants! Papy sourit, amusé. Bien entendu qu'ils sont vivants! Et c'est à nous de veiller à leur bien-être et leur croissance, dit-il en cueillant tendrement une grosse citrouille. Puis il s'éloigne et Lily se retrouve seule au milieu des légumes. « Papy a encore choisi 3 tomates aujourd'hui. Mais demain, ce sera mon tour !» s'exclame la laitue. « Ah bon?
Vous vous réjouissez donc tant qu'on vous mange ? S'étonne Lily. Mais bien sûr, répond le poireau. Tu sais, si personne ne choisit nos graines au magasin, nous restons dans nos sachets, nous nous desséchons et on nous oublie. Mais papy nous a achetés, bichonnés. Et grâce à lui, nous nous retrouvons tous en pleine forme dans son jardin, prêts à être cueillis. Il m'a caressé, il m'a souri. Demain, je pars avec lui, mes amis, s'exclame joyeusement une jeune carotte. Hé là, dit le poireau, ne te fais pas trop d'illusions. T'es encore un peu verte sur les bords. Moi, je crois qu'il va choisir les radis. Lily se penche sur l'endroit où elle a planté sa graine de haricot. Une petite pousse sort de terre. Oh, ça sent bon. Oh, dis donc, tu grandis déjà ? S'exclame Lily. Psst, approche-toi, lui chuchote-t-il. Promets-moi de bien t'occuper de moi. Je veux devenir le haricot le plus appétissant de tout le potager. Foi de Lily, c'est promis. Pour le dîner, papy a préparé un délicieux potage plein de vitamines. Il en sert une grande assiette à Lily, qui se régale. La citrouille évidée se dandine et chantonne. Ce soir, je suis la plus belle de tout le potager, la la la. Nom d'un cornichon au vinaigre! Regardez-la, la grosse dondon. Voyez comme elle se pavane. Oui, elle fait la maligne, mais patience. Un jour, ce sera notre tour. Nous aussi, nous serons choisis par papy. Le lendemain, au chant du coq, Lily bondit hors de son lit et s'habille en quatrième vitesse. Elle dévale les escaliers, passe derrière papy comme un éclair et sort dans le jardin. Waouh, ça pousse vite. Bonjour tout le monde, crie-t-elle aux légumes. Alors, petit haricot, comment vas-tu aujourd'hui? As-tu soif? Oui, très très soif, répond le haricot. Mais je m'ennuie un peu depuis que les carottes sont parties. Tu peux semer de nouveaux copains près de moi? Lily montre à son amie différents sachets de graines. Qui aimerais-tu avoir comme voisin ? Lui demande-t-elle. Des courgettes, des radis, du céleri. Des radis, ça me va, répond le haricot. Les jours passent et Lily se dit qu'elle a de la chance. Waouh, les couleurs ! Finalement, le potager, c'est encore mieux que la plage. Le haricot a bien grandi et Lily est admirative. Regarde, Lily, ça y est, j'ai moi aussi de beaux haricots sur mes tiges. Oui, tu es vraiment magnifique, lui dit-elle. Et papy m'a dit qu'on pouvait commencer la cueillette aujourd'hui. Lily s'empresse de récolter toutes ses belles gousses et s'en va vers la cuisine. Papy, regarde, mon haricot m'a donné tout ça. Bravo, Lily, c'est formidable! Quelle récolte exceptionnelle! On voit qu'il a été cultivé avec amour! Eh bien, pour tes haricots, je vais faire ma meilleure recette. Lily savoure fièrement le bon petit plat préparé par papy. Elle et son petit haricot ont bien travaillé. Waouh, quelle expérience! C'est extra de pouvoir cultiver ses propres légumes. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite, les amis!